Salut, c'est Gauthier de Tour de Trône, tu t'apprêtes à regarder Loud TV. Ah, je suis ravi que tu le dises parce que c'est Vote to Decline, c'est plus de 3 ans de composition et c'est, on pourrait le dire, quasiment 10 ans de réflexion. Parce que ça fait 10 ans qu'on se pose la question d'un album, qu'on se dit ce serait chouette d'attaquer un album, mais parce qu'en fait avec le groupe on joue ensemble depuis 2012 officiellement. En fait on jouait déjà ensemble avant en 2009 voire 2008, 2007. Et on était tout simplement pas prêts avant en fait. On avait besoin de digérer différentes influences. On a commencé, Claiming the Sun entre autres, a été un peu un tournant dans notre manière de voir la musique. On a vraiment commencé en 2012 avec une première démo qui était très ancrée dans la scène death metal mélodique. La vie professionnelle et personnelle de chacun a fait qu'on a été plus ou moins en pause pendant quelques années. Puis on est revenu en 2016, on s'est retrouvés et là, en fait, on avait changé d'influence, on avait changé de groupe qu'on écoutait au quotidien. Et donc, c'est là qu'est venu Claiming the Sun, qu'on a écrit vraiment dans une certaine urgence de vouloir sortir de la nouvelle musique. Et Claiming the Sun, c'est 2 mois de composition peut-être, et c'est un EP 30 minutes, et c'est vraiment compact. Alors que l'album Vote to Decline, on a pris beaucoup plus le temps, on a pris plus de 3 ans à vraiment le composer. On s'est posé et surtout, on est assez perfectionniste, donc il était hors de question pour nous de sortir un album qui soit dans la demi-mesure. On voulait absolument être fier de cet album, donc on a attendu 10 ans et voilà le résultat, c'est Vote to Decline. Et on a été super bien accompagné aussi par plein d'acteurs, que ce soit pour le son, pour la promotion, pour l'artwork. Et on avait besoin de cet accompagnement pour sortir un album digne de ce nom, en tout cas qui nous plaise à nous, qui soit à la hauteur de nos ambitions, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis un grand fan d'un groupe comme Def Heaven, par exemple. Et musicalement, ça colle pas avec ce qu'on fait. Et pourtant, je suis beaucoup plus influencé par ça que par la scène en fait, Death Atmo d'aujourd'hui. Des groupes comme Insomnium, Swallow the Sun. Tous ces groupes-là, en fait, on les écoute même pas, en fait. Donc, on n'est pas influencé par ces groupes. Et pourtant, on se rapproche musicalement de ces groupes-là. Donc en fait, notre musique, c'est vraiment une digestion de tout un tas d'influences. Moi, j'écoute aujourd'hui très peu de death metal mélodique, encore moins de death, parce que le death, je trouve que ça manque justement d'émotion. C'est un peu notre cheval de bataille, c'est l'émotion, réussir à transmettre des choses à l'auditeur. Et j'écoute beaucoup plus de black, et par exemple Def Heaven, hein, typiquement, ou Numenorea, Portrayal of Guilt, des choses super variées. Et notre musique ressemble finalement pas à ce qu'on écoute tous les jours. Et de toute façon, on n'a jamais cherché à s'inscrire dans un chemin, dans un mouvement. On n'a jamais cherché à rendre hommage à la scène death metal mélodique des années 90. On n'a jamais cherché à s'inscrire dans la nouvelle vague un peu post-black, etc. Pour nous, ça nous est égal du moment qu'on transmet les émotions qu'on a envie, en fait. Il y a 10 ans, on était inscrit dans la scène death metal mélodique. Aujourd'hui, on compose à l'instinct, on compose sur le moment, quand on ressent une émotion ou quoi. D'ailleurs, c'est pareil pour les paroles. Hein. C'est moi qui écris les paroles, j'écris des choses qui me viennent, qui me questionnent sur l'environnement qui nous entoure, sur tout ça. Et c'est ça qui nous inspire plus que de se dire recopier un riff classique de death metal ou black metal. C'est-à-dire que, on fait pas du hard picking pour faire du hard picking parce qu'on veut faire du black. C'est l'enchaînement, c'est l'évolution. Et l'album, en fait, c'est un. À la fois, on a cherché à faire quelque chose de cohérent, évidemment, puisque c'est un album et on est encore très attaché au format album. Ça fait 60 minutes, mais c'est une œuvre à part entière et tout se répond.
Ça, on est très attaché. On est pas du tout dans l'idée de faire de la musique Spotify, sortir des singles vraiment indépendants. Mais en même temps, par rapport à cette cohérence-là, on cherche à avoir vraiment une singularité sur chaque morceau. Et pour nous, c'est important, notamment pour Jérémy, qui est un des compositeurs principaux du groupe. Avoir une singularité pour chaque morceau, c'est super important pour nous. On n'a pas envie de sortir un album fleuve qui raconte la même chose de morceau en morceau. Donc voilà, c'est ce défi qu'on se lance en quelque sorte. Et surtout, on parle. Enfin, la musique vient des tripes, donc elle vient. Après, c'est même pas calculé en fait. C'est pas calculé. Il n'y a pas de. Il faudrait qu'on ait un refrain catchy ici, une rythmique qui fasse penser à ça. Rien de tout ça est calculé. Ça vient de nous, de nos tripes, et ça, c'est notre musique. Ouais. Les personnes qui nous ont entourées sont super importantes, et c'est vraiment des gens qui ont changé la donne sur la sortie de cet album, parce que on a été entourés par plein de gens, certains qui sont venus de manière spontanée. Je pense à Cédric Duseyot qui nous a fourni plein de matériel pour qu'on puisse enregistrer en home studio. Et qui croit en notre musique, et avoir un mec comme lui, c'est incroyable, parce que en fait, le premier EP qu'on a sorti en 2017, Claiming the Sun, on l'a fait de A à Z maison. On a tout fait. Et ça a ses avantages. On a la maîtrise de tout, mais on n'a pas la compétence de tout. Et on n'est pas compétent en mixage, en mastering. On fait ce qu'on peut et on se débrouille et on bricole. Et sur l'album, en fait, on avait besoin d'être accompagné, on l'a cherché. Et en fait, il y a des gens qui se sont vraiment investis dans l'album, qui c'était vraiment naturel. Et on a des gens comme Gwen qui a mixé l'album, qui a été plus que juste l'ingé son du CD, quoi. Il nous a suivis, il nous a écoutés, il nous a compris. Et c'est ça qui a fait aussi qu'aujourd'hui, on est super fiers de ce qu'on sort. Il y a eu Victor Bullock, le guitariste de Dark Fortress et Triptychon, un mec avec qui on n'aurait jamais pensé pu bosser. C'est guitariste de deux groupes dont moi-même je suis absolument fan. Donc on a eu une grande chance, on a osé toquer à l'une ou l'autre porte, même si on n'y croyait pas trop. Et en fait, il se trouve que la réponse en face était positive. Et on a réussi à bosser avec tous ces gens. Et ces gens sont super importants, on ne sera jamais assez reconnaissant envers eux pour tout l'investissement qu'ils ont mis dans l'album, et pour nous, ça représente beaucoup. En fait, les paroles, c'est pas l'essentiel du groupe, dans le sens où, avant tout, notre priorité numéro un, c'est de réussir à faire passer des émotions à travers la musique. Les paroles, ça vient après. C'est-à-dire que quand Jérémy ou moi, on compose une chanson, on la présente au groupe, on essaie de sentir le feeling de chacun sur cette chanson. On la valide ou pas. Et si on la valide, effectivement, là, on travaille, Jérémy et moi, sur les arrangements, les derniers peaufinages, et on conclut la chanson. Et c'est là où moi, je commence à réfléchir aux paroles. Et encore une fois, c'est très instinctif, c'est basé sur des expériences personnelles. Et ouais, on parle de déclin, c'est un sujet majoritaire sur l'album. On n'est pas un groupe qui s'engage ni politiquement, ni qui s'engage sur la religion, ou qui s'engage sur n'importe quel sujet. En fait, on n'a pas la prétention ni l'ambition d'avoir un message à délivrer. Mais l'important pour nous, c'est évidemment de délivrer une émotion, et du coup, à travers les paroles, de réussir à peut-être engager un début de commencement de réflexion sur tout ce qui tourne autour de notre environnement, comment on vit, comment on partage, on échange. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un système qui est vachement cadré. On est obligé d'évoluer là-dedans. C'est difficile de s'en extirper, et voilà, j'essaie de chercher la réflexion autour de ça. Par contre, il n'y a aucune ambition de vouloir répondre à une problématique ou quoi. Et finalement, ça rejoint toute
notre ambition en tant que groupe finalement, c'est de d'amener à la réflexion et à l'appropriation de notre œuvre. C'est-à-dire que musicalement, certains entendront du death, d'autres du black, d'autres du post, d'autres du trash. Et c'est ça qu'on aime en fait, c'est laisser l'auditeur écouter, s'approprier, avoir ses propres références. Et s'il peut avoir des références autant dans l'artwork, dans le visuel, c'est-à-dire que le dessin peut lui évoquer telle ou telle chose, ou les paroles peuvent lui évoquer des expériences personnelles, des ressentis, des émotions. En fait, c'est ça notre but, et si on arrive à atteindre ce but, c'est gagné pour nous en fait. Alors le live, c'est un grand sujet actuel parce que c'est un peu le point noir de toute l'aventure de la sortie de cet album. Parce que le Covid ne nous a pas trop touché jusqu'à présent, parce qu'on était en pleine phase de composition, enfin clôture de composition, pré-production et arrangement. Et aujourd'hui, on sent l'impact du Covid, parce que c'est très compliqué pour nous, en tant que groupe émergent, de trouver des dates aujourd'hui, parce que la plupart des organisateurs de concerts, soit ils ont arrêté leurs activités purement et simplement, malheureusement pour eux, soit ils sont en attente de savoir est-ce que vraiment le Covid va reprendre, est-ce qu'on peut organiser quelque chose sereinement. Et puis pour ceux qui organisent toujours aujourd'hui, ils ont plein de tournées qu'ils ont dû reporter et deux fois, trois fois, quatre fois. Et voilà, il y a peu de place pour des groupes comme nous aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a beaucoup de groupes qui ont profité du Covid justement pour composer de la nouvelle musique, pour sortir un nouvel album, etc. Donc il y a un peu un bouchon et nous on se retrouve là-dedans. Et évidemment c'est embêtant pour nous parce qu'on a envie de défendre cet album sur scène. La scène, c'est un peu l'aboutissement, c'est le moment où on peut vraiment s'exprimer totalement. Et aujourd'hui c'est super dur pour nous. Donc on a la release party effectivement le 17 octobre à Colmar. On a prévu une super soirée, des super groupes, des surprises, mais au-delà de ça, une vraie tournée et tout, c'est difficile. On travaille sur une tournée, mais c'est très délicat aujourd'hui. Ouais.